soul. I live for you alone. Le pasteur Ronald Soro et son épouse, ainsi que les assistants pasteurs, merci pour la confiance révélée en ma modeste personne. Et je prie que cet après-midi, le Seigneur nous amène à comprendre quelque chose pour le royaume. Que le Seigneur nous amène à comprendre quelque chose pour notre vie. Que le Seigneur davantage nous amène à comprendre quelque chose qui va nous rapprocher davantage de lui. Le but de tout message, c'est de pouvoir nous rapprocher de Dieu. Le but de tout message, c'est de pouvoir arranger notre vie. Le but de tout message, c'est de pouvoir nous préparer à la venue de Christ. Le but de tout message, c'est de pouvoir... Car Dieu, étant sur la terre, nous a promis des choses qui devaient arriver. Donc, le but de tout message, c'est de vraiment nous rapprocher de Christ. C'est de vraiment pouvoir renforcer notre foi. C'est le but de tout message. À chaque fois que vous écoutez un message, si cela ne vous met pas en garde, si cela ne vous rapproche pas de Dieu, et si cela ne vous donne pas des outils pour pouvoir expérimenter la grâce de Dieu sur la terre, alors... Je vous encourage à vraiment prier Dieu afin de vous éclairer. Parce que nous avons plein de messages qui nous amènent vers la convoitise. Nous avons plein de messages qui souvent dorlotent nos péchés. Mais ce sont des messages que nous devons faire attention. Donc, tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu lui-même l'a dit dans les derniers temps. Et si la Bible appelle le moment que nous vivons les derniers temps, nous sommes vraiment dans les derniers temps. Mais que ces derniers temps ne nous amène pas à avoir peur, mais que ces derniers temps nous amènent au contraire à nous rapprocher et à garder plus la foi. Parce que Jésus a dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi, hein? Pas la foi pour obtenir beaucoup d'argent, pas la foi pour obtenir la guérison, mais la foi qui nous permet de croire au retour de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc ce soir, la thématique que je vais aborder avec vous, c'est garde ton cœur. Garde ton cœur. Le cœur est très important. Le cœur est le centre. Le cœur est ce qui nous permet, est la source même de nos motivations. C'est ce qui vient de notre cœur. Nous allons lire dans le livre de Proverbes, Proverbes 4, à partir du verset 23. Je vais lire pour nous tous. Il est écrit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Dans d'autres versions, « Car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Alors, comme je disais, mathématiques, c'est garde ton cœur. Si je parle de garder ton cœur, on garde le cœur de certaines choses. Garde ton cœur de quoi? C'est la première chose que nous allons comprendre ce soir. Parce que tu dois garder ton cœur, mais garder de quoi? Généralement, quand on fait un vaccin, c'est pour essayer de pouvoir anéantir ou de pouvoir lutter contre une maladie, contre une pandémie. Et si le Seigneur nous demande de garder notre cœur, c'est forcément qu'il y a quelque chose ou il y a des choses qui sont là, qui sont prêtes à nuire notre cœur. Voilà pourquoi il dit garde ton cœur. Mais quelles sont ces choses-là qui sont là pour nuire notre cœur? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Nous avons tous des choses importantes dans la vie. Et nous faisons tout pour souvent les protéger. Pour ceux qui ont déjà des enfants, ils ont des enfants. Ils font tout pour protéger les enfants. Ils assurent vraiment une sécurité. Donc ils font tout pour protéger parce que les enfants sont importants pour eux. Il y a ceux qui ont des choses dans la maison, vous les gardez précieusement parce que c'est important pour vous. Donc il y a plusieurs choses qui sont importantes dans votre vie que vous gardez avec beaucoup de nécessité. Et certains font le nécessaire, comme je dis, de garder ça. Et d'autres font aussi même le nécessaire de garder leur femme. Voilà, parce que leur femme est importante, leur mari est important. Et ils font le possible de garder les enfants, les amis. Voilà. Mais plus tard, nous nous rendons compte que malgré que nous gardons toutes ces choses-là, nous avons encore souvent des difficultés où nous avons cette paix-là qui manque. D'où l'importance de garder son cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose.
Nous devons garder notre cœur de quoi? Nous devons garder notre cœur de quoi? Nous devons garder notre cœur de l'égoïsme. Vous savez, le cœur est très sensible. Et beaucoup de gens sont tombés dans les blessures intérieures. Beaucoup de personnes sont tombées dans les frustrations. Parce qu'ils ont laissé rentrer des poisons dans leur cœur. Beaucoup d'éléments ont empoisonné leur cœur. Ce qui a fait en sorte que leur vie a été carrément changée. Négativement, bien sûr. Leur vie a été détruite parce qu'ils ont laissé des poisons rentrer dans leur cœur. Les guerres que vous voyez aujourd'hui, les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui, laissez-moi vous dire que cette source, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur qui amène à tous ces choix. L'égoïsme. Nous voulons tout obtenir pour nous-mêmes. Mais ce soir, j'ai envie de te dire, garde ton cœur de l'égoïsme. Garde ton cœur de l'égoïsme. Du cœur viennent les sources de la vie. Voilà pourquoi tout ce que vous produisez sort de votre cœur. Voilà pourquoi Jésus va dire que même lorsque en pensée tu as seulement, tu as déjà réfléchi comme ça, tu as péché. Parce que ça vient d'abord du cœur et après c'est l'acte. Mais si tu as gardé ton cœur de ces mauvaises pensées, tu as gardé ton cœur de cette mauvaise idée, l'acte n'arrivera pas. C'est pourquoi ce soir je te dis, garde ton cœur de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est le fait de pouvoir vouloir tout obtenir pour lui. Et nous avons des gens qui soient des chrétiens, qui soient des païens, qui veulent tout obtenir pour eux. Et la Bible, l'apôtre Paul dit à Timothée, dans les derniers temps, les gens seront égoïstes. Les gens seront égoïstes, pourquoi? Parce que les gens vont vouloir tout avoir pour eux. Les gens vont vouloir tout obtenir. Et je sais que parfois, il vous est passé dans la tête de souvent vouloir tout obtenir. De souvent vouloir tout avoir. Mais avant que ça n'aille loin, il faut garder ton cœur de cela. Parce que tous ceux qui sont arrivés au haut niveau de l'égoïsme ont commencé par le petit niveau. C'est l'enfant qui est devenu un grand voleur, c'est parce qu'il a commencé à voler 50 dans la maison des papas et des mamans. Et plus tard, il a grandi, il a commencé à voler les grandes sommes. Si à chaque fois qu'on doit partager aux gens, tu te sens mal, frère, il faut commencer à prier, sûr, il faut commencer à prier. Si à chaque fois que ton frère est heureux et épanoui, toi ça te dérange, tu as de l'égoïsme. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Dans la société courante, lorsque j'ai mon frère qui s'épanouit, lorsque j'ai mon frère qui réussit, mon cœur commence, comme je suis tellement égoïste, le cœur commence à avoir des mauvaises pensées. Celui qui arrive à tuer, c'est parce que, d'une part, il y a eu une source. Donc, bien aimé ce soir, je vais t'encourager à garder ton cœur. Le cœur est comme la terre. Donc, ça a la capacité de pouvoir multiplier toutes les semences qui y pénètrent. Toutes les semences. Le cœur, c'est comme la terre. Voilà pourquoi Jésus dit, vraiment, est-ce qu'on sème sur la bonne terre? Cette terre, c'est ton cœur. Est-ce que quand la parole de Dieu vient, c'est sur une bonne semence? Et comme je disais, il y a des éléments qui empoisonnent votre terre, qui est votre cœur. Ne laissez pas certains éléments vous pénétrer, parce que lorsque ça va se multiplier, lorsque ça va se reproduire, ça va vous amener à pouvoir
avoir un niveau haut de cet élément-là. Donc, il est important de garder son cœur. Le cœur est la chose la plus importante pour Dieu. C'est le cœur qui nous amène à obéir. Parce que le jour où vous faites pour pouvoir plaire à quelqu'un, tôt ou tard, vous allez terminer par vous fatiguer. Mais si cela vient du cœur, malgré le temps que ça fera, vous serez toujours motivé. Je disais jeudi dernier que si tu te sanctifies à cause d'un individu, tu finiras par tomber. Mais si c'est ton cœur, tu te sanctifies parce que ton cœur aime le Seigneur. Voilà pourquoi il dit, celui qui m'aime n'a qu'à garder ma parole. Tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas avoir la parole de Dieu dans ton cœur. Car c'est cette parole qui va te permettre de garder ton cœur ferme, de garder ton cœur lorsque la corruption va s'approcher de toi. Si tu as gardé ton cœur, tu ne vas pas te faire corrompre. Vous savez, il y a des choses, comme j'ai dit tout à l'heure, qui se produisent en nous petit à petit parce que nous avons laissé cela rentrer et s'aimer quelque chose en nous. Ne laissez pas n'importe quoi rentrer. Et je vous encourage, je n'allais pas écouter n'importe quoi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Voilà pourquoi nos grands-parents ont cru, ou certains dans nos pratiques africaines, beaucoup croient à des pratiques occultes. Parce que ils ont tellement entendu. Vous, quand vous êtes dans un village, si on vous dit dans un village que celui qui oriente le village, c'est le féticheur. Si vous grandissez avec, à chaque fois que vous aurez un problème, vous irez chez le féticheur. Parce que votre foi s'est basée sur ça. Donc attention à ce que vous attendez. Quand tu entends quelque chose tous les jours, ta foi va se baser dessus. Voilà pourquoi je t'encourage à toujours être attaché à la parole de Dieu. Parce que si tu entends tous les jours la bonne parole de Dieu, cela va semer des bons fruits dans ton cœur. Et pour pouvoir garder son cœur de toute autre chose, parce que quand la Bible dit « garde ton cœur plus que toute autre chose », ça veut dire la chose la plus importante de ta vie, c'est ton cœur. Et si tu laisses n'importe quoi rentrer dans ton cœur, tu perdras l'essentiel. Voilà pourquoi je t'encourage à pouvoir garder dans ton cœur la parole de Dieu. David a dit, je serre ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, je serre ta parole dans mon cœur. Pour ne pas que lorsque les autres choses de la vie, comme nous dit le texte, vont arriver, je ne vais pas pécher. Le cœur a la possibilité de multiplier. Le cœur a la possibilité de multiplier. Plus tu as de bonnes pensées, ces bonnes pensées vont se multiplier. C'est pourquoi chaque fois que vous avez de mauvaises pensées, il faut automatiquement prier. Si tu laisses la sémence de la haine pénétrer dans ton cœur, ne pense pas que ton cœur produira de la bonne qualité. Garde ton cœur de l'égoïsme. Garde ton cœur de la haine. Il y a des chrétiens qui sont assidus à l'église, mais qui ont du mal à pardonner leurs proches. Garde ton cœur. Ce sont ces choses dont le Seigneur fait allusion. L'égoïsme, la haine, garde ton cœur. Ce sont des éléments qui empoisonnent le cœur. Le jour où vous avez du mal à pouvoir pardonner votre prochain, dites-vous que c'est une mauvaise sémence qui est tombée dans votre cœur.
Et cela peut vous amener très loin. Nous avons des chrétiens qui ont du mal à adresser la parole à un autre frère parce que l'autre frère a eu à déconner. Vous savez, c'est bien de se sanctifier. C'est bien de pouvoir obéir à certaines lois ou d'obéir à certains principes. Mais il est important de garder son cœur. Parce que si tu fais certaines choses par la loi, ton cœur n'y est pas. Et je disais, j'ai dit que Saül n'a pas fait ce sacrifice avec le cœur. Saül a fait ce sacrifice parce que il voulait maintenir son royaume. Jésus va dire à la femme samaritaine, vous n'avez plus besoin d'adorer à Jérusalem sur la montagne. Mais ceux qui veulent adorer le Père, qu'il adore en esprit et en vérité. C'est notre cœur qui va nous amener à louer Dieu en esprit et en vérité. Mais pour que je sois en vérité, en esprit, il faut que mon cœur ne soit pas empoisonné de ces éléments-là. Si tu n'arrives pas encore à pardonner, mais c'est une mauvaise semence que tu as bien aimée. Il y a des chrétiens, lorsqu'ils sont tellement fâchés. Je me posais plusieurs questions pendant plusieurs années sur ça. Si le fait de pouvoir être en colère, et quand l'homme de Dieu avait enseigné sur la colère, le Seigneur m'avait plus éclairci dessus. Il y a des chrétiens, parce qu'on les a fait certaines choses, même quand ils ont raison, ils n'ont pas la tempérance. Vous savez, à chaque fois que quelque chose est marqué dans la Bible, pour moi, je m'arrête dessus. C'est dans le livre de Galates, dit non, le fruit de l'esprit, ici, et à l'intérieur, on trouve la tempérance. Ça veut dire qu'on a du travail à pouvoir être tempérant. Cette colère est en train de causer une mauvaise sémence dans ton cœur qui fait en sorte que il y a certaines choses que Dieu a du mal à te confier parce qu'il sent en toi tu as encore ce fardeau. Dieu a du mal à te confier certaines choses parce que donc tu n'as pas gardé ton cœur de certains éléments. Tu n'as pas gardé ton cœur de la convoitise. Dieu a du mal à te mettre à un autre niveau. Tu as tellement prié, Seigneur, je vais atteindre un autre niveau avec toi. Mais le Seigneur a du mal parce que tu n'as pas gardé ton cœur. Et je dis souvent à certaines personnes que Dieu prépare les gens qu'il va exposer. Et Dieu prépare les gens qu'il va amener à un autre niveau. En fait, la gloire avec Dieu se prépare. Voilà pourquoi vous avez beaucoup de gens qui n'ont pas assimilé les coups. Lorsque Dieu les a mis à un certain niveau, ils ont chuté. Je vous ai dit, qu'il y a des combats qui sont liés à notre destinée. Dieu veut que ton cœur, tu puisses le garder de manière précieuse. À chaque fois qu'on te menace, à chaque fois qu'on te donne une mauvaise parole, quelle est ta réaction? Comment réagit ton cœur? Pour que ton cœur produise de la bonne sémence, il faudrait que ces éléments-là soient ôtés. Il y a bien des éléments qui peuvent empoisonner nos cœurs. Donc, j'ai cité l'égoïsme, la haine, la convoitise. Oui, ça empoisonne notre cœur. Parce que c'est ce qui vient du cœur qui devient notre motivation. C'est ce qu'il y a dans notre cœur qui devient notre motivation. C'est ce qu'il y a dans notre cœur qui devient comme notre rêve. Et le rêve, c'est ce qui fait vivre généralement l'homme. Parce que je vais atteindre ça. C'est ce qui crée de l'espoir. Et si ton cœur est empoisonné par la convoitise, en fait, tout ce que tu vises là, ce n'est pas tant dans le plan de Dieu. Mais c'est parce que
ton cœur a eu des grains qui n'ont pas été bons. Il est temps qu'un moment s'assoie et on essaie de regarder. Est-ce qu'il y a des mauvaises semences sur notre terre? Comme je le disais, nous devons vraiment apprendre à maîtriser les circonstances. Nous devons apprendre à maîtriser les circonstances. Car Dieu nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose. Plus tu essaies de pouvoir contrôler les circonstances, plus tu t'affaiblis. Plus tu essaies de vouloir gérer les circonstances, plus tu t'affaiblis. Garder son cœur, plus que toute autre chose, veut dire sélectionner ce qui doit entrer ou pas dans son cœur. Ça veut dire je dois sélectionner ce qui doit rentrer dans mon cœur. Et je dois sélectionner ce qui ne doit pas rentrer. Tout est bon, mais tout n'est pas utile. Je dois sélectionner. Je dois sélectionner ce qui doit rentrer dans mon cœur. Quand vous savez que la télévision est tellement précieuse, vous savez qu'il y a des éléments qu'il ne faut pas mettre sur la télévision. Quand vous voyez l'enfant avec la cuillère aller taper sur la télévision, vous dites, non, hé, attention, attention. Parce que vous savez que cet élément-là va détruire la télé. Et à chaque fois que vous voyez des éléments autour de vous, vous devez être capable de garder votre cœur, de pouvoir le protéger, de pouvoir en mettre une barrière pour dire non, parce que ça c'est précieux. Parce que beaucoup de gens sont tombés, beaucoup de gens ont une mauvaise semence parce qu'ils n'ont pas mis cette barrière autour de leur cœur, ils n'ont pas gardé leur cœur. Et beaucoup se retrouvent en train de faire la louange, en train de prêcher, mais leur cœur est atteint, leur cœur est empoisonné. Parce que si tu prêches l'évangile et tu as du mal à pardonner, ton cœur est empoisonné. Tu n'as pas gardé ton cœur. Tu n'arrives pas à aider quelqu'un qui souffre alors que tu as la possibilité de pouvoir l'aider. Tu veux tout obtenir pour toi-même, pour obtenir la gloire. Oui, tu as laissé de mauvaises semences entrer en toi. Donc garder son cœur, ça veut dire sélectionner ce qui doit rentrer ou pas. C'est un exercice qui doit être au quotidien. Pour moi, la vie chrétienne, c'est vivre Jésus-Christ au quotidien. Ce n'est pas venir jeudi à la prière, ce n'est pas venir dimanche, c'est vivre. C'est-à-dire, c'est expérimenter Christ au quotidien. Garder son cœur plus que toute autre chose, ça ne veut pas dire lundi j'ai gardé mon cœur, c'est pour toute la semaine maintenant. Non, tous les jours, quotidiennement, ça doit être ton temps d'exercice de garder ton cœur plus que toute autre chose. Parce qu'à un seul instant, si tu laisses une mauvaise graine venir semer dans ton cœur, voilà pourquoi la Bible dit vaut mieux la faim. C'est pour dire que vaut mieux être sauvé quand Jésus va arriver. Au lieu de faire 20 ans des fois et à la fin tu lâches. Ces 20 ans-là tombent, ça ne va même pas dire non. Le Seigneur ne va pas dire, bon, comme tu as fait 20 ans et puis tu es tombé à la 21e année, donc on va essayer de voir, tu as quand même passé plus de temps, donc normalement tu dois. Non. Ça ne compte pas. Voilà pourquoi on dit, Dieu dit, vaut mieux la faim. Parce que le brigand, voyez-vous, lui il a tué pour de vrai, il a sûrement tué. Mais c'est à la faim qu'il a eu son salut. Selon nous, c'est injuste. Selon nous, il doit payer. Parce que certainement, il y a quelqu'un qui est décédé. À cause de lui, il a certainement tué quelqu'un. Mais notre raisonnement, ce n'est pas le raisonnement de Dieu. Dieu n'a pas besoin de conseiller. Dieu est tellement souverain. Donc chaque chrétien, même si ce n'est pas facile, il doit pouvoir quotidiennement garder son cœur plus que toute chose. Le monde est rempli de choses qui sont apparemment programmées pour nous agiter et nous troubler. Il y a tellement de choses qui sont programmées pour nous agiter et nous troubler. Mais tu dois garder ton cœur. Il y a tellement de choses qui sont là. Tellement de choses. Il y a tellement d'ambiance. Il y a tellement de choses. Il y a tellement. J'ai dit, il y a tellement. Et vous savez, Satan travaille nuit et jour. Toi,
vois ce que tu vas faire quotidiennement, c'est de garder ton cœur. Parce que Dieu, ce qui est précieux pour lui, c'est notre cœur. Vous allez remarquer que la différence entre Caïn et Abel, c'est la disposition du cœur qui a été là. Quand tu mets Dieu en première position, ce que ton cœur réalise qu'il est. C'est pourquoi l'homme de Dieu nous disait une fois ou dans ses enseignements que si vous faites des choses par obligation, vous allez terminer par vous lasser. Et en faisant semblant d'être tenté d'empoisonner votre cœur. Parce que vous ne le faites plus pour Dieu par amour, vous le faites parce que vous voulez être vu. Si tu le fais par amour, tu ne pourras pas te lasser. Donc, bien aimé, il y a tellement de choses qui sont là, des problèmes liés à nos besoins d'argent, des problèmes sociaux, voilà, qui sont là. Et j'ai vu des chrétiens se laisser corrompre, qui n'ont pas gardé leur cœur pur, qui n'ont pas gardé leur cœur plus que toute autre chose, qui se sont laissés emporter parce qu'ils n'ont pas pu mettre des murailles sur leur cœur. Et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de murailles sur votre cœur, à chaque fois qu'il y aura un élément qui empoisonne ton cœur, cela va causer une mauvaise sémence en toi. Les gens se demandent, mais comment j'étais assez motivé, j'étais assez, vraiment, j'étais déterminé à faire certaines choses pour le Seigneur et autres, mais comment j'ai pu? C'est parce qu'il y a eu quelque chose qui est rentré. Dès que le découragement est venu, ça s'émet en toi, le dégoût des choses de Dieu et du Seigneur. Vous savez, il y a des choses qui sont sensibles. Garder son cœur, ce n'est pas seulement garder son cœur du péché. Je le dis souvent que Marie et Joseph n'ont pas péché, mais ils se sont éloignés de Jésus. Et il y a des gens qui pensent que non, je ne fornique pas, je ne vole pas, je ne fais pas ça, je suis assis à l'église, je paye ma dîme, mais ils sont loin de Jésus parce qu'ils sont restés distraits. Le monde a tellement de programmes et c'est tellement agité que des gens pensent que Jésus est encore là alors que Jésus est resté. Et ça semble être logique pour eux. Comment Jésus a 12 ans? Vous savez, moi, c'est une histoire qui, à chaque fois que j'ai lu ce texte-là, j'ai dit, mais Seigneur, mais Jésus a 12 ans. Vous voyagez avec un enfant de 12 ans et vous faites une journée, vous ne vous rendez pas compte que l'enfant de 12 ans n'est pas là. Est-ce que ce n'est pas de la distraction, ça? Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont laissé Jésus au temple. Jésus est resté depuis. Ils sont en train d'avancer, mais Jésus est resté. Voilà pourquoi dans la marche, à un moment, il faut s'arrêter et dire, Seigneur, est-ce que tu es encore là? Associé, est-ce que tu es encore avec moi? Ou je suis maintenant en train de faire tous les programmes qui sont là? C'est lorsque tu gardes ton cœur. Parce que si tu gardes ton cœur, plus que toute autre chose, tu demeures dans sa présence. Tu demeures. Et pour finir, nous allons voir comment garder son cœur plus que toute autre chose. Comment nous devons garder notre cœur? C'est un élément indispensable. La parole. Nous ne pouvons pas dire que nous pouvons garder notre cœur sans la parole. Ce n'est pas possible. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Pour ne pas avoir le regard sur les autres choses de la vie. Vous savez, ce que j'aimais avec Jésus, c'est qu'il était précis. Il y cherchait premièrement le royaume des cieux. Et ensuite, vous connaissez la suite. En fait, les autres choses-là ne sont pas mauvaises. Mais premièrement, il veut que tu recherches le royaume. Et dans le texte, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. En fait,
Il ce n'est pas mauvais de garder tes enfants, de pouvoir vraiment. C'est pas mauvais. Mais il y a des personnes que certaines choses ont pris de leur prise. C'est-à-dire qu'ils gardent ces choses-là plus que leur cœur même. N'importe quoi peut rentrer dans leur cœur, mais sur certaines choses, n'importe qui ne peut pas toucher ça. Et donc, la parole de Dieu est le premier élément qui nous permet de garder notre cœur. Parce que la parole de Dieu va te dire, attention par rapport à ça. Quand David dit, je sais ta parole, c'est pour dire, si la parole de Dieu est inscrite dans nos cœurs, si la parole de Dieu devient chère en nous, ça veut dire quotidiennement quand nous marchons. En fait, on n'a plus besoin de faire tellement d'efforts. Ça devient un exercice continu, ça devient un exercice journalier pour nous. Et j'ai prié le Seigneur pour le programme que nous avons de méditer chaque jour la parole. Si tu t'éloignes de la parole de Dieu, ça veut dire que tu es en train de pouvoir exposer ton cœur. Souvent avant, quand on était plus jeune dans les groupes de jeunesse, nous on pensait que les responsables nous embêtaient. Et puis, c'était parce qu'on se dit, bon, mais comment on nous incite à pouvoir toujours lire la Bible. À un moment, ça devient comme si c'était de trop. Mais c'est parce que quand tu médites la parole de Dieu, comme disait le pasteur, tu ne peux pas lire. Méditer la parole de Dieu et sans être transformé. Car c'est cette parole, lorsqu'elle se saisit, lorsqu'elle devient chère en toi, ton cœur est carrément en brigade. Ton cœur devient solide. Donc la parole de Dieu est un moyen indispensable pour garder son cœur. On ne peut pas. C'est-à-dire que c'est le moyen, le premier moyen, la parole de Dieu. Ensuite, la prière. Ce sont des choses que vous connaissez. Mais entre connaître et pouvoir l'expérimenter, la vivre chaque jour, c'est le défi que nous avons quotidiennement. La connaissance est une bonne chose. Mais la non-pratique de cette connaissance te rend esclave de cette connaissance. Il y a des théologiens, parce que la théologie c'est une science qui étudie Dieu. Et c'était un jour un pasteur qui nous expliquait. Il disait un jour à l'école, dans son cas, il était à l'institut public, il y avait un théologien, il buvait et il fumait. Mais il enseignait la théologie. Donc il venait le matin en classe, il enseignait les pasteurs la théologie. Donc la science, c'est qui étudie Dieu. Mais après, il buvait et fumait. Et un jour, le pasteur l'a posé la question, monsieur, vous nous dites que non, voici comment Dieu, voilà. Mais vous, comment vous arrivez à faire? Il dit non. J'ai juste fait ça, c'est l'école. Et puis je vous remercie que j'ai eu à faire. Donc, aussi longtemps que la connaissance que vous avez, vous ne la pratiquez pas, vous êtes esclave. La connaissance nous rend libre lorsqu'on décide de la pratiquer. Si tu sais que je suis héritier, aussi longtemps que tu ne vas pas où il faut faire soit des papiers pour pouvoir obtenir ta richesse, mais tu vas rester à la même position, même si tu sais que tu es héritier en fait. C'est-à-dire que tu peux savoir que j'ai ça, mon père m'a laissé ça. Mais aussi, autant que tu ne vas pas chez le notaire, ils vont faire tout ce qu'ils vont faire. Tu vas mourir comme ça, tu vas rester comme ça. Tu as la connaissance de quelque chose. Quand on va te voir, on va te dire, oh, tu ne trouves pas, lui là, vraiment, son père est roi, ou son père était roi, vraiment, il a. Mais après, c'est rien. Tu ne rentres pas dans l'héritage de cette connaissance. Donc, la prière nous amène également à pouvoir garder notre cœur. Parce que la prière, dans sa définition, c'est un dialogue. Voilà pourquoi il faut comprendre le sens de ce qu'on fait, le sens. Le christianisme, ce n'est pas des cours, le christianisme, ce n'est pas des enseignements où on écrit et puis on apaise notre conscience. Comme des gens qui prient avant de manger pour apaiser leur conscience. Ils ne prient pas parce qu'ils remercient vraiment le Seigneur.
Et nous, on le faisait. C'est-à-dire que papa a dit, on doit, c'est comme ça que ça se fait à la maison. En fait, à un moment même, tu as commencé à manger, dès que tu vois papa, tu dis, je ne vais pas prier. Donc, devant papa, tu fermes encore les yeux. Seigneur, je te bénis pour ce repas. En fait, tu veux juste apaiser, faire plaisir à papa et apaiser ta conscience. Mais tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Si la prière est un dialogue, alors si je suis en communication avec Dieu tous les jours, Dieu va me dire qu'attention, il y a un poison à côté de toi, donc garde ton cœur de sable. Mais si beaucoup vont dans le piège, si beaucoup, leurs cœurs sont souvent exposés, c'est parce qu'ils n'ont pas veillé, ils ne sont pas restés dans la prière. Veillez, priez enfin que vous ne tombez pas dans la tentation. Oui, vous ne pas tomber dans la tentation. Il faut veiller avec la parole dessus. Et il faut prier également pour que ton cœur soit enraciné, pour que ton cœur soit protégé de tous ces éléments qui peuvent empoisonner le cœur. Et le troisième élément pour finir, ça va dans le même sens que la prière, c'est la présence de Dieu par l'adoration. David a dit, Seigneur, si tu me lâches même une minute, mes ennemis vont m'atteindre. Donc je ne veux même pas me sortir un moment de ta présence. Et à chaque fois que j'étudie la vie de cet homme, je comprends que c'est ce qui a fait sa particularité. Parce que David a fait tellement de dégâts. Mais il savait reconnaître qu'en fait, même s'il a fait des dégâts, c'est-à-dire que sans Dieu, je ne suis rien. Il ne s'est pas arrêté à confesser. C'était une vie pour lui. Sans Dieu, il n'était rien. Que lorsqu'il s'est même détourné, il devait dire, oh Seigneur, oui, je me suis détourné. Mais tu sais que ça, tu sais que si tu me laisses là, je ne suis rien. Et la présence de Dieu va t'amener à pouvoir t'abandonner à Dieu. L'adoration continuelle personnelle envers Dieu va t'amener à pouvoir garder ton cœur. Parce que ton cœur sera assoiffé tellement de la présence de Dieu. Ton cœur sera assoiffé tellement de Dieu. Ton cœur va désirer tellement être dans sa présence que à chaque fois qu'il y aura une mauvaise pensée, il n'y aura pas de place. C'est pourquoi l'adoration n'est pas seulement pour dimanche, pour jeudi, pour lorsqu'il y a une rencontre, pour le after. Non, l'adoration personnel. Chaque chrétien, tu dois avoir un moment d'adoration que tu sais chanter, que tu ne sais pas chanter devant ton Père, où tu contemples, comme nous l'avons vu pendant les 12 jours, où tu ne viens pas demander quelque chose à Dieu, tu viens seulement dans sa présence. Tu viens déclarer des paroles d'amour, dire à Dieu ce qu'il est. Cela va te préserver, l'adoration va te préserver de certains éléments qui peuvent empoisonner ton cœur. Développe une vie d'adoration. Développe une vie d'adoration. Le cœur est important pour Dieu. Retenons ce soir que Dieu, notre cœur est important pour lui. Et si on demande de garder notre cœur plus que toute autre chose, c'est parce qu'il sait qu'il y a tellement de choses qui peuvent nous emmener dans la dérive. Et ce soir, si tu as écouté ce message, en priant à la maison et en continuant, le Saint-Esprit va te donner plus d'orientation par rapport à ce texte. C'est un texte que nous tous nous connaissons. Mais soyons des personnes qui expérimentent la présence de Dieu pour pouvoir garder également son cœur. La méditation de sa parole. Ne pas méditer pour faire plaisir à notre conscience. Attention à ça. Se dire que non, je me suis levé le matin, j'ai médité. Donc si le pasteur me dit, t'as vu les méditations, c'est bon. Je vais dire, non, pasteur, ça va, je médite tous les matins. Non. Non, si le frère me dit, t'as vu les prières. Non, pas pour ça. Parce que c'est objectif, parce que la prière, ça me permet de dialoguer avec Dieu. Parce que la présence de Dieu, l'adoration me permet vraiment de pouvoir expérimenter sa présence, de pouvoir voir certaines choses, de pouvoir voir la beauté de Dieu. Et ça me permet de pouvoir éloigner de moi la convoitise, éloigner de moi la haine, et de faire entrer des bonnes sémences dans mon cœur. Alléluia. Donc il est important ce soir, retenons que ce soir, notre cœur est important pour Dieu et nous devons le garder plus que toute autre chose. Amen. Ensemble, nous allons élever nos voix, bénir le Seigneur pour ces moments. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta parole. Merci parce que cette parole, Seigneur, vient nous faire du bien.
my soul.